Tu as touché la poignée de porte du labo de Galvani? Ouais, c'est possible. Alors va te laver les mains. Le docteur a dit que les rats répandaient leur virus partout. Leur virus? Tu veux dire la peste? Je crois bien. Donc tu dois te nettoyer les mains. Tu es peut-être contaminé. Contaminé? N'importe quoi. On pourrait pas plutôt. Non, je te l'ai dit. Frotte avec de l'alcool ou du vinaigre blanc. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce qui trafique là-dedans? Ambrose dit qu'il élève des rats infectés. Tes amis sont ignares. Le docteur est un génie. Si quelqu'un est en mesure de sauver la ville, c'est bien lui. Le médecin royal nous sauvera. Il paraît que son nouvel élixir est 2 fois plus efficace contre la peste. Je ne comprends pas pourquoi Galvani admire Sokolov à ce point. Médecin royal ou pas, on dit que c'est un monstre. Un coureur de jupons superstitieux qui passe plus de temps au bordel que dans son laboratoire. Ce sera tous les jours comme ça quand on sera mariés? Je sens que oui. J'espère que non. Je te le dis tout de suite, j'aurai jamais la patience. Manifestement, les rats infectés diffèrent des rats ordinaires. Mais à quels égards? Leur taille, l'épaisseur de leurs poils, par leur intelligence également, même si cela reste encore à confirmer. Comme les études zoologiques de Coriander ne recensent que le rat ordinaire, l'arrivée des porteurs de peste remonterait à 5 ou 7 ans au plus. Cela n'a rien d'un phénomène progressif. Ont-ils été introduits volontairement par une puissance étrangère? Peut-être.